Allez, on va voir celle-là. Alors, c'est une division que j'ai faite, que j'ai fait le 18 avril. Et j'avais introduit une reine fécondée. On va voir ce que ça donne. Pas vilaine, et comme elles sont calmes, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et voilà le frelon qui vient à peine j'ouvre. Putain, c'est fatigant. Hein. Bon, elle est pleine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça se voit. Ça se voit bien. Même. Allez, on va l'ouvrir quand même. On va les occuper un peu. Oh, du miel, hein, de la réserve, ici. Et ici. Que de la réserve. Il y a du nectar qui rentre aussi. On sent sur des fleurs jaunes, c'est des genres de petits arbustes jaunes. Allez, on voit le reste. Tout est collé. C'est quoi ce cadre? Regardez ça. Je vais l'enlever, je vais le foutre de côté celui-là. Il est bien operculé. Mon Dieu. Il pèse un âne mort. Regardez ça. Regardez ça. Celui-là pareil. Hop. Les filles, je suis toujours en tongue, les gars, je vous le dis. Hein. Change pas, l'équipe qui gagne. C'est lourd ça aussi. Hein. Ah, il y a enfin un peu de couvain. On va mettre ce côté-là, non. De ce côté-là, non. De l'autre côté. Et donc un peu de couvain. D'ailleurs, je vais le remettre dans ce sens là. Le couvain est dans le mauvais sens, je ne sais pas pourquoi. Oh, que c'est collé. Aïe aïe aïe, j'aime pas quand ça craque comme ça. Putain. Les abeilles qui craquent. Pareil, encore un cadeau de miel. Je suis à bloc de miel. Vous voyez bien, c'est que du miel. Que du miel. Pareil, encore une fois. Alors, j'ai un peu de couvain en bas, très peu. C'est sûr qu'il y a un blocage de pointe, là, c'est obligatoire. Alors là, je pense que j'avais mis une sagofrée il n'y a pas longtemps, là. Aussi pareil. Ouf, oh là là. Ça, c'est du couvain par contre. Regardez ce cadre. De l'autre côté, on verra mieux, c'est un peu plus flagrant. Il y a trop d'abeilles sur celui-là. Regardez ça. C'est magnifique.
très beau, très très beau. Très 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 beau. Là, si je vois pas la reine, hein, que je l'écrase pas. Bon, alors celui-ci, ça gaufrait. Elle est pas tirée, elle est pas tirée. Je vais en faire de la place pour Pond, hein. Je suis obligé. Vous pouvez le voir, je suis obligé. Bon, la reine n'est pas là. Donc elle est ici. Les deux qui restent, les trois, pardon. Donc les deux derniers qui restent du couvain. C'est encore que du nectar. Que du nectar, que du nectar. Je ne sais pas si vous le voyez, il me faut bourdon encore là. Il y en a très peu dans celle-là. On n'a pas vu la reine. Mais... Mon Dieu, j'ai que du nectar, un peu de pollen. L'autre, du nectar, c'est que du miel. C'est impossible. C'est assez impressionnant comme réserve. Hein. Ah, vous n'avez pas menti. Hein. Je vais le laisser là. Je vais les laisser construire de toute façon. Elles ont de la matière. Hein. Je ne sais plus comment faire. Là, je vais récupérer ces deux cadres. Je vais resserrer la ruche. J'ai encore même envie de mettre encore une autre cire. Vous me direz ce que vous en pensez, je ne vais pas le faire. Comme je vous dis, il va avoir les lyres, ça va saturer là. Je sais plus. Je sais plus, vraiment plus. Quand je vois les ruches aussi pleines de miel. C'est bien fait pour moi, la prochaine fois, j'extrais le miel du corps. Comme ça, dans la place pour pondre, on va refaire un peu. Et le temps aussi de refaire des réserves. Bon, je vais quand même en remettre un, le moins rempli. C'est celui-ci. Je vais mettre quand même ça aussi sur le côté. C'est jamais. Hein. Bon, je l'aurais remis ici, voyez-vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Si je remets la cire gaufrée, je la rapproche mettre par exemple ici, laisser un cadre entre les deux. Vu le nombre d'abeilles, vu la population, je sais pas, les réserves, c'est impressionnant, je sais plus. Allez, bon, on va refermer tout ça.